Nous partons sur Ozali. Nous avons des apports qui valent. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler d'une influenceuse. Quand je dis influenceuse, c'est-à-dire ce sont des gens, des filles, des garçons, une nouvelle génération, une nouvelle vague. Bazana ba danse, bazana ba musique, bazana na style, bazana ba na 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 mode, bazana ba na na cinéma, bazana ma rambébélé, et en plupart des cas même na coiffure, na cheveux, na esthétique, na maquillage et tout consort, ce sont des filles à qui bazana ba millions de millions de millions ya ba fleurir ba toiseau balanda kabango millions de millions de gens au balanda kabango tout le temps. Et cette fille, elle a une particularité parce que elle, c'est la fille d'une star de notre pays, RDC, et puis Soki Totani Kombo, il y a Papa Naye, tout le monde a été vraiment Aza déjà Nakombo. Papa, c'est Kofi Olomide, le vieux Antoine, dans le passage, je te salue, mon vieux. Et alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de Diddy Stone comme la fille de Kofi Olomide, parce que les gens croyaient que Diddy Stone, Azala, si ma papa, Azozo, mon papa, papa, Azozo, Azozo, foule, Azozo, on va bien à gaz à papa. Mais en voyant cette interview, je vis que Diddy Stone n'est pas seulement la fille de Kofi Olomide, mais c'est aussi une entrepreneuse. C'est une aussi une fille qui a des projets, une fille qui a tout. Physiquement parlant, ce que telle fille ou un autre moi en aille, aux autres senti que Diddy Stone a tout pour être appelé star. Dans le domaine, il y a un mode, elle est bien stylée. Coiffure, elle a toujours parfait, elle a tout, elle s'exprime bien, elle a tout, sans commentaire pour dire que Azapé star, et puis elle a ses ambitions, elle a fait des études. Oyo Mutu, dans sa manière, elle a des goûts, elle a la vie, elle a tout, elle a du charme. Vraiment, suivez cette interview. Comme Azamouana est star et Ambo Cannabiso, mais l'autre Robaté, qui c'est la fille de Kofi Olomide, l'autre Robaté, Diddy Stone, en tant qu'influenceuse, il y a YouTube. Suivez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, c'est Diddy Stone. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, plus particulièrement une FAQ, afin de répondre à toutes vos questions et que vous appreniez à mieux me connaître. Mais avant toute chose, avant de démarrer cette vidéo, je tiens d'abord à vous remercier pour tous vos gentils commentaires déposés sous ma première vidéo YouTube, vos messages d'encouragement, ça me fait énormément plaisir. Et je suis très contente parce qu'on a bientôt atteint les 100 000 vues et je ne m'y attendais pas du tout. That's it, let's go. Donc, je m'appelle Diddy Stone, prénom pas commun, je sais. Il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui pensent que c'est un surnom, mais non, c'est mon prénom. C'est un prénom que mon père a fabriqué lui-même, enfin, il a imaginé. Donc, Diddy, en hommage à mon défunt oncle Diddy, il s'appelait Diddy, et Stone parce qu'il était fan de l'actrice Sharon Stone à l'époque, et voilà, ça a fait Diddy Stone. That's it. J'ai 21 ans, bon là on tourne la vidéo le 1er juillet, là j'ai 20 ans, mais dans deux semaines j'aurai 21, donc on va dire 21. je fais une école de mode, une école de fashion business plus précisément, et voilà, ça se passe très bien. Je me suis toujours intéressée à la mode, ça a toujours été une passion depuis que je suis petite. Je savais pas exactement si j'allais vraiment me focaliser là-dessus et en faire mon métier, enfin ma vie quoi. Et au fil du temps, la passion a grandi, si je peux dire ça comme ça. Et elle est, limite je peux dire qu'elle est venue à moi, puisque tout a fait dans l'univers pour que je m'y mette sérieusement. Et on peut dire que les planètes se sont alignées. Euh,
Je me suis fait repérer par un scout. Petite anecdote, je me suis fait repérer dans le métro, plus précisément à Châtelet. J'étais avec ma mère et j'avais 15 ans. Et un scout m'a abordé en me disant que j'avais le profil pour être mannequin. Il m'a pris quelques photos dans le couloir. Tout le monde nous regardait, je trouvais ça ridicule. Et d'ailleurs, je le prenais pas du tout au sérieux. Mais en fait, il s'est avéré que 2 jours après, j'ai reçu un message du scout en question en me disant que ah bah il y a 2, 3 agences qui sont potentiellement intéressées par toi et tout. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Bah écoutez, ça a du bon, ça a du mauvais, mais c'est simplement ma vie. Voilà. Introverti, malheureusement pour moi. Bah écoutez, vous allez être. Enfin, je sais qu'il y en a plus d'un qui vont être surpris, mais en dehors de ça, je suis juste une fille qui aime bouffer du McDo à longueur de journée devant un film en jogging et voilà, la meuf complètement, tu sais, lazy à mort et tout. Nul. Bah écoutez, je vais pas faire l'hypocrite à dire que ouais, je m'en fous, je suis plus forte que ça et tout. Des fois ça pique, c'est sûr. Mais on passe au-dessus et on essaye de se focaliser sur, sur le meilleur, sur le positif en fait. Parce que dans tous les cas, quoi que tu fasses, t'auras toujours des commentaires négatifs. Donc voilà, c'est la vie. Bah, en dehors de la France, je pense mon pays d'origine, le Congo, c'est là où je me sens le mieux et c'est là où je suis le plus, en dehors de la France. Donc voilà. Victime de discrimination, mais après j'ai envie de vous dire que la discrimination dans le milieu de la mode, c'est quelque chose de connu, hein. Je suis pas la première à en parler. Les Naomi Campbell, les grandes tops, enfin, les grandes stars en parlent déjà. Donc ouais. Forcément, ouais. C'est inévitable. Mes marques favorites, je dirais ce que je porte le plus en ce moment, Fenty, Jacquemus, Jean-Paul Gaultier, bon, même si maintenant c'est considéré comme étant de la haute couture, c'est plus du prêt-à-porter. R13, quoi d'autre? JW Anderson aussi, j'aime trop. Et il y en a d'autres. Je pense que les gens qui me connaissent le savent. Je suis hyper fan de Jean-Paul Gaultier. Donc je pense que je porterai que du Gaultier. Ou peut-être du Versace. I don't know. Mon ultime icône mode, c'est une question trop, trop, trop difficile à répondre, mais je dirais, je sais pas, mec. Je te jure, je sais pas en fait, je sais pas qui. En fait, moi, j'aime pas dire que j'ai un style prédéfini parce que je, en fait, c'est simple. Je porte ce que j'aime. Je m'habille selon mon humeur, je n'ai pas, je suis pas, je ne me cantonne pas au code. Enfin voilà. Je pense que c'est d'un point de vue crédibilité parce que les gens ont des a priori et des préjugés sur les influenceuses Instagram. Quand tu vois la vitrine d'Instagram, tu vois juste une fille qui s'habille, etc. Ça peut paraître un peu. Neuneu, la fille qui s'intéresse qu'aux vêtements et tout, donc par rapport aux marques, par rapport aux gens, leur prouver que non, il n'y a pas que ça, il y a toute une personnalité derrière, il y a une personne qui s'intéresse à d'autres choses, des choses beaucoup plus sérieuses, et en plus, moi c'est encore plus compliqué parce que j'ai un double tranchant, il y a ce statut d'influenceuse et le statut de fille d'eux, donc les gens ont l'impression que, tu vois, c'est la totale en fait. Donc voilà. C'est une chose qu'on répète tout le temps, mais c'est la clé. De rester focus, de rester déterminé, de savoir ce qu'on veut et de persévérer, en fait. Il n'y a pas 46 000 options.
Tout simplement parce que ça prend du temps et aussi parce que bah, c'est un projet qui me tient à cœur et je veux vraiment le faire sérieusement, donner tout mon temps et mon énergie. Et là, pour l'instant, je suis à, bah, à un moment de ma vie, c'est juste pas possible. J'enchaîne beaucoup de choses, beaucoup de projets, donc ça devra un peu attendre. Bah du coup, c'est une chaîne qui est dédiée à la mode et c'est une chaîne qui permettra aux gens de me voir sous un autre jour. Bon, écoutez, je sais pas. J'hésite, je réfléchis. C'est tout ce que je peux dire. Je réfléchis, je sais pas. Wait and see. Un petit mot pour la fin, tout simplement, merci d'être là, merci de soutenir, merci de partager. N'hésitez pas à liker, t'as la phrase type, mais bon, tant pis. N'hésitez pas à liker et à partager et à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Voilà. C'est génial, c'est génial. Et voilà, tout le monde a vu interview, il y a Diddy Stone, il y a autre chose, c'est que moi, analyse na documentaire, il y a Diddy Stone, autre chose, là, je sais pas si quelle chaîne, je crois que c'est la chaîne, Emoko privée, mais si, et puis, Diddy Stone a pu sur autorisation de partager, alors moi, en tant que, déjà, na comme fan, il y a Diddy Stone, bien qu'il y a moi, à cause de la lèque, qui a balé, qui, peut-être, à cause de la, vraiment payé moi non mais la commis fan naïe parce que elle fait ce qui me plaît, elle fait ce que j'aime. En tout cas, il y a un ça moi intérieur, moi un peu de commentaire, moi analyse na vidéo naïe, na interview naïe. En tout cas, Diddy Stone interview oyo aza cano, wow. Là, par les commentaires, je me demande au contraire, Dinga, Nakata, l'image aux autres là, sur aux autres là, Diddy Stone, tu vois vraiment que Azana, charisme moko exceptionnel, j'ai aimé sa coiffure, surtout à teinté en rouge, je crois, rouge bordeaux, je sais quoi. Eh, tu sais, bien en rouge bordeaux, mais sur la takala, tu bien en rouge bordeaux. Et puis, tu vois, tennis, Oyalati, noir, rouge bordeaux déjà noir, c'est déjà style, il a déjà style moko, Yamakasi, et puis il a la robe, je crois sa robe, et puis chaînette à moquer, l'eau à l'étoile à moquer, et ce que j'ai aimé, surtout maquillage, pas souvent maquillé, et puis c'est personnalité, Oyo, Azako exprimé, c'est Koyo, une jeune de 21 ans déjà, elle est déjà une femme, Azana, maquillage moko. Très, je peux pas assez trop dur, mais c'est vraiment formidable sur le plan esthétique. Nakati studio dans mon sac, ils ont prouvé déjà qu'il y a styliste, ça n'a évité sur les marques Chanel ou Thomas Nini, parce que Chanel papa n'aime pas trop ça pour son anniversaire. En tout cas, interview en fait, en général, je peux dire, il n'y a pas trop de fautes, il n'y a pas de fautes, moi je dis. Il n'y a pas de faute RM parce que le journaliste a posé question, a posé ma question, mais a écrit, et puis il y a ce que vous répondez, c'est du professionnalisme, c'est la modernité, c'est des extrêmes avancements et la technologie, et ça prouve que la fille voit déjà des choses dans la grandeur naïve. Alors, surtout moi, je souligne aujourd'hui que cette fille, vous devez le voir pas comme la fille, seulement la fille de Koffi Olomide, mais seulement que c'est une femme, Oyo, Aza, Naba Ambition, Azape intellectuelle, elle a fait des études de mode, voilà, pour le bango, t'as des études de mode, Aza, mannequin, Aza, styliste, voilà seulement que elle représente déjà beaucoup pour na Yemoko, sans pourtant qu'au côté n'a papa. Bon, comme on dit, fille à papa, ce qui se semble, se ressemble en fait. Mais je ne sais pas que Nakolo Babongo, Kofi, c'est sa fille. Tu vois que Kofi adore sa fille, Kofi aime sa fille. Parce que moi, je trouve que Diddy Stone, Olomide, Aza, image à Kofi,
à la féminité, au féminine. Parce que Kofi a sa artiste Mokoboué, a mes mamans maminènes. Attends, maman maminènes. Dans 21 ans déjà, Diddy Stone, elle a fait son nom, à sa dit Komo Naé, dans Dengue Naé. Et puis, papa Naé, puis à sa déjà Komo Mnène. Sur autant de filles, ils ont dit que Kofi n'a pas si ouverti. Non, cette fille, regardez cette fille, bota moi, non. Regardez comme elle est belle. Les mots que le mot tu peux dire, c'est qu'elle est naturellement très belle, et au-delà de sa beauté, elle a la taille, elle a la charisme, elle sait parler, elle s'est exprimée déjà, elle a déjà ouvert, elle sait ce qu'il est en train de faire, ce qu'il fait, c'est déjà quelque chose de spécial. Alors, ma question est qui bien? Très très bien posé, très bien composé, surtout pour son âge. Donc, il était dans Marambouya, extravagance, au fiancé, au bala, au balatet, non, ça, et ce qui professionnel, professionnalisme, c'est vraiment bien. Je crois que peut-être il va poser quelques questions là, mais à Longola Kiango, je ne sais pas, sinon, bah, où il a déjà monté, Maram nous a distribué déjà. Tu reçois un commentaire si en gros, comme tête. Et alors, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Mélange, il y a Ali, Yana, Koffi. On entendait quoi? On entendait créature comme ça. Parce que sont Ali, Ali, c'est déjà une créature merveilleuse. Et puis, Koffi déjà a zappé. Et a zappé vieux beaucoup. A zappé na carré. A zappé na charisme. A zappé na surtout. Azan a une richesse artistique incroyable, l'intelligence, et que ça a un mélange, métissage, c'est carrément Diddy Stone. Alors je crois que vient à Bissomo, pas ou à Kola, qui m'a beaucoup fait, qui m'a pas tiki, à tiki mon bundeli, à tiki mon bundeli, mon nez, mon bundeli, mon dengue, mon combo. Combat confié au midi, ils ont kendé, ou kendé, et ont tigre ou kendé. Parce que moi, je crois qu'avec ma objectif, Diddy Stone a un amour, à Rousseau Karaté, à Copexé, bien sûr, je souhaite qu'il a percé à Kendé Musica, parce que Aza déjà sublime, quoi. Aza magnifique. Tout le monde m'a comme on peut biso ba congolais tu ngako critiquer tu ngako tout ça va critiquer mais tout comme ça va pe ba o ya biso ba na biso ba de kuna biso. Tout comme ça, moi aussi, et que l'homme qui tourne, on s'en va pécher, bisous. Et puis, à ça, maïe, la sauce, ma caméso, bi, ma lèvre, ba, n'ingam, sou, ba, sou, mona, ba, nigérien, ba, sud-africain, et les autres, les Ghanais, les autres, là, même les Américains, ba, mona, qui, moi, non, à ça, congolise, à ça, congolise, c'est très bien. Alors, bien, bien que, remarque, que non, ça, quand Diddy Stone sera au Yokanga Kota Zali, c'est juste, dans mon vidéo, on a commis un peu. Voilà. Ce qui dit Stone Aro, quand on a Kota Zali, c'est juste quand on a Bongisa, un peu magasin à ça, trop luxe, trop. Trop luxe, trop. Je sais que ils ont Ndenge Alinga, ça a luxe. Mais, en tant que styliste, j'aimais bien que. À Kota Pé, Naba. Boutique à Mickey Oyo, bah Carrefour, bah New York, à côté de à domicile, au moment où il y a New York, à Lati, et ça libère. Parce que mode, c'est seulement pas du luxe, mode des apparages. Blambacherté, bah Jean-Paul Gaultier, bien que moi aussi, toujours partager même opinion, j'aime bien Jean-Paul Gaultier, Marc Jean-Paul Gaultier, et les noms, parce qu'il y a déjà des noms, je suis Paul, Paul, c'est déjà bien. Jean-Paul, dans les annonces, il y a un bloc à Jean-Paul Gaultier, bah, parfum et tout comme ça. Bilamba, parfois, bah, chemise et tout comme ça. Mais, de toute façon, admis ma bah, génération ou au futur, peu, bah, oh, bah, n'y en a bah, un peu, là, bah, n'a bloc, il y a simple. Parce que tout le monde n'a pas cette fortune que son père en a, ou peut-être l'anniversaire, il y a. Papa a offert 5 000 euros à Chanel, sac à Chanel. Tous les enfants du monde n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette chance-là. Elle a cette chance-là à profiter d'un gobelet.
abimisa biso na luxe wana makasi wana akende pe na baba akota peza na population akota na population akota peza na public na ye parce que ekosa la biso moins bien en tout cas en général en principe en tout cas émission eleki kano yemoko kano à s'exprimer kano pas de faute pas de faute je vous dis Didiston n'a pas fait de faute. Quoi. Vraiment, c'est une interview que moi-même j'ai appréciée. C'est pour ça que je fais ça. Si moi, dans mes vidéos. Et alors, c'était ça. Donc, merci Didiston. Félicitations pour ton interview. Félicitations pour ta vie. Et puis, merci pour la découverte. On t'a découvert. T'as découvert façade. Naomoussous, Odrobe, Nango, influenceuse. Vraiment, c'est magnifique. Là, vraiment, nous sommes heureux. Alors, pour terminer, je ne vais pas passer parce que c'est une journée spéciale pour moi. Aujourd'hui, mon petit frère propre, mes dédicaces à mon petit frère Albert Ngoï. Albert Ngoï, hein? Petit nana, il y a Autriche, à Colline, Autriche, mais il a travaillé sur l'Irlande. À Singaki, la mère, à Pasaki, Bago, Douande, Baloubak, à Singi, de beaucoup. Il y a petite sœur, on a vu ce mois à Paris. Donc, tu peux si on vote, tout ça. Donc, Marie, je te qui, que ça, bon, cérémonie, on te dit que ça, les marouins, on se montre la photo. Je dirais juste, je vous félicite à vous, un bon apoto, penza, bozo, kendi, bien. Bobala, bozo bala peza na ta yango parce que bozo ba capacité à bobala, bozo ba possibilité à bobala. Congo to bala raté parce que parfois des cas et arrivent à Kimbongo et zate. Pas si, il faut qu'on gisa, koluga gauche à droite, mais ça les zate. Mais ah, na poto quand même, beaucoup lia, bozo ba possibilité. Quand vous êtes, vous rencontrez entre vous, il faut qu'on pense au mariage parce que le mariage c'est vraiment très nécessaire. Alors les gens qui le font vraiment, il faut qu'ils te félicitent. Des petits nangan oyo, il y a Boga oyo, Alain Coupe, Albert Ngoï, talaga petit ango américain quoi, talaga chérie donc cano cano world. Donc c'est ça, d'apaiser un beau de Kotoza. Je crois que tu sais que ton frère Paul t'aime bien et puis je t'encourage tout au monde dans la calamité, dans la grande fête, il y a mairie et puis la suite est tout solo là. Donc, tout solo là, déjà dans Kati. Alors, pour ça, ne tenez pas rigueur, c'est la famille. Donc, je voulais juste faire mes coucou à mon petit frère. Alors, tout le monde a mis Balassima, na, analyse, moussousou, na magazine, moussousou, ne soyez pas timide, restez serein. Tout le monde a mis, ciao!